Par rapport à la libération de ce Laurent Gbagbo et de ce Bleu Goudé, je suis contente parce que ça fait quand même longtemps qu'ils sont en prison. La réconciliation aussi, c'est bon de que les prisonniers politiques soient libérés. En même temps, je suis inquiète par rapport à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Parce que nous tous, on sait ce qui s'est passé par rapport en 2011, tout ce que nous avons vécu. En fait, on ne veut plus revivre ça. Donc, on a peur que peut-être que leur libération fait qu'il y ait des règlements de compte et autres. La demande de Laurent Gbagbo et de Bleu Goudé, en tout cas, me fait beaucoup plaisir. Voilà, puisque nous sommes des Ivoiriens, on a besoin d'eux pour avoir la paix. Voilà, s'ils reviennent au pays, quoi, ça me fait beaucoup plaisir. Mais Laurent Gbagbo étant un citoyen ivoirien comme nous, et voyons ce qui s'est passé en 2011, il a été incarcéré auprès de la Cour pénale internationale plus de 9 ans, sans preuve. Si aujourd'hui on le libère, je crois que c'est une bonne chose. Parce que la libération manquée de décembre a fait beaucoup de plaisir aux Ivoiriens. Et je crois bien si ce monsieur revient en Côte d'Ivoire, c'est pour consolider la paix, réparer tous les cœurs qui sont blessés. Et je crois que mettre dans la main, nous allons aller devant. La libération de Gbagbo, pour moi, je pense que cela va favoriser la réconciliation entre les peuples et en même temps briser les barrières de méfiance qui se sont dressées pendant les deux différentes crises qui ont secoué le pays. La libération ne sera pas une source de conflit encore parce que franchement, nous sommes tous fatigués. Je suis heureuse pour la libération de l'ex-président, que cela rapporte la paix. Que chacun de nous manifeste sa joie. Donc, ceux qui ne sont pas heureux, ils pourraient dire qu'ils s'estiment heureux. Que la paix, nous ne voulons pas vivre la même crise qui s'est passée au poste électoral 2009. Nous voulons la paix, rien que la paix. En tout cas, ce matin, depuis un certain moment, j'ai appris la libération. De ce Laurent Gbagbo, l'ancien chef d'État de Côte d'Ivoire et de son ancien, je n'ai pas dit son ancien leader générationnel de ce Bleu Goudé. Bon, en tout cas pour ma part, si la CPI décide qu'il n'y a pas vraiment de crimes contre eux, là, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens s'attendent à vraiment faire des crimes. Nous sommes présentement à la recherche de la paix en Côte d'Ivoire. Donc toute personne qui œuvre vraiment pour que la paix soit un réel objectif, nous sommes